crevettes. La situation est critique, il nous fallait le meilleur. Pas de problème, capitaine, vous m'évitez le traditionnel ragoût du jeudi soir en tête à tête avec ma mère. Qu'est-ce qu'on a? Vous vous souvenez de Factum? Sergueï Factum? Celui qui s'amusait à poser des pièces mortelles dans toute la ville, comment que je m'en souviens? J'ai négocié avec lui depuis 48 ans avant qu'il se fasse choper le mois dernier. Eh ben justement, on a mis un mouchard dans sa cellule qui nous a révélé l'emplacement de son dernier piège. Cette fois, c'est une bombe. Sous une chaise, dans ce resto. On est en place, capitaine. Filez-lui une oreillette! La bombe est d'une fabrication spéciale. Elle s'amorce et s'enclenche par variation de poids. Placez plus de 50 kg sur une chaise, la bombe est amorcée. Enlevez ce poids, elle explose. Test. 1, 2, test. Paris-Bordeaux-Bagdad. Capitaine, on a repéré la bombe au fond. Une femme est assise dessus. Elle a pas l'air bien épaisse, la petite. On a peut-être du bol. Vous, l'expert, est-ce que le drone est en place? Oui, vous n'allez pas être déçu, c'est le dernier cri de la technologie et de la discrétion. La fille ne doit pas être mise au courant et les clients non plus. Un mouvement de panique et tout explose. Ce que vous devez faire, c'est utiliser vos talents de négociateur pour que la fille reste le cul sur sa chaise le plus longtemps possible. Nous, on s'occupe du reste. Trouvez-moi un plan de ce putain de restaurant. Non, attendez, ça va pas le faire, là. Vous voulez que je fasse la conversation avec cette fille? Non, mais moi, d'habitude, je négocie avec des suicidaires, des preneurs d'otages armés jusque dans. Bah, justement pas... Ne dites pas que vous avez peur d'une minette comme ça. Vous avez jamais fait de speed dating? Hein? Vous avez 7 minutes pour la séduire. Ni plus, ni moins. Bonsoir. Bonsoir. Sophie. Et vous, c'est Gigan? Hein? Gigan. C'est finlandais. Ah. Voilà, ça s'écrit bizarrement, mais ça se prononce Gigan. Gigan. Oui, vous pouvez m'appeler Guy. Super. Bon, alors, Guy, dites-moi tout, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, vous sentez bien, là? Capitaine, je vous entends mal, là. Aidez-moi. Raven, avant toute chose, il faut s'assurer que la bombe est désamorcée. Oui. Sophie, dites-moi, vous pesez combien? Quoi? Non, mais c'est un petit questionnaire que je fais, vous savez, pour aller plus vite, pour gagner du temps. Voilà, c'est question 1, votre nom. Question 2, votre poids. Mais attends, c'est une blague, là. Je veux de bonnes nouvelles. Alors, j'ai pas de visuel sur la bombe, mais j'ai scanné la fille, j'ai toutes les informations que vous voulez. Wow, il y a même la taille de bonnet. Raven, la fille pèse 48 kilos. Ce qui veut dire que l'engin n'est pas amorcé. 48 kilos! Formidable. Mais comment vous savez ça, vous? Ça y est, je suis sous la chaise. Regardez. Bon, vous savez quoi, Guy? Je pense qu'on va en rester là. J'ai rien contre vous, mais c'est juste qu'en fait, si je suis venue ici, c'est pour faire plaisir à ma mère, voyez? C'est encore une idée à la con. Allez, restez, on va tous y rester. Hein? Enfin, je veux dire, laissons-nous une chance. Plan B, Traven. On envoie l'expert par un conduit d'aération pour désamorcer l'engin. En attendant, vous me séduisez cette femme et qu'elle ne bouge plus de cette foutue chaise. Non mais, excusez-moi, je suis désolé, je suis un peu stressé. Traven. J'ai un début de boîte en plus, là, et... Non mais je vous assure que je suis pas venu ici pour aboutir à une bête partie de jambes en l'air, vraiment. Putain, j'en aurais vu des trucs bizarres ce soir, hein. Alors, il y en a qui me demandent mon poids, il y en a qui sont branchés cuir et crustacés, il y en a même un qui m'a fait des tours de magie, mais alors tout pourri. Oh là là. Dites donc, il est où l'organisateur? C'est n'importe quoi, hein? Ça fait 2 heures que j'attends de voir la petite nanette là, au fond, la jolie blonde là. Et là, bim, je la vois avec un grand dadais qui vient juste d'arriver. C'est pas juste! Raven, on vous envoie du renfort. Bonsoir. Ravitaillement? Oui, bah, mademoiselle va vous prendre quelque chose, hein? C'est pour moi, je vous l'offre. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Moi, je prends une autre bière. Et une pinte cette fois, hein? Même chose? Oui. Ben bah, non, pas d'alcool pendant le service. C'est, enfin, un cacolac. C'est bien ça, un cacolac? Une pinte, un cacolac. Go! Bon, bah c'est bon, je reste. Puis de toute façon, je vais vous dire la vérité, Guy, vous êtes le dernier. Vous êtes sans doute le plus mignon. Puis de toute façon, j'ai payé le parking jusqu'à minuit, donc après tout, hein, ça me fera encore plus de trucs à tweeter. Non, votre sac! Quoi? Pardon. Votre sac, mais non, laissez-le sur vos genoux. Hein? Non, parce que le sol est dégueulasse. C'est un petit conseil, si vous voulez pas le salir. Ah, et le dossier, je peux ou... Oui, sur le dossier, elle peut. Oui, sur le dossier, elle peut. Merci, c'est très attentionné. C'est bon, Traven. Gagnez du temps. Le démineur est en route. Prochain carrefour, tournez à droite. Bon, bah alors, dites-moi tout, vous êtes célibataire depuis longtemps? Oui. Laissez-moi deviner, une déception amoureuse importante? C'est compliqué. Déjà marié? D'après vous.
Des enfants, peut-être. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il fout, bon sang? On dit jamais non dans une situation pareille. C'est dans le manuel, petit. Alors, on a une pinte à 9h, calconac à 3h. Santé. Santé. Quoi? Non, excusez-moi, je rigole parce que vous êtes le premier qui boit pas d'alcool fort face à moi. Bah, j'ai l'impression d'effrayer tellement les hommes qu'ils ont besoin de ça pour m'affronter. Sinon, parlons de vous un peu. Vous faites quoi dans la vie? Je bosse pour des cacahuètes. Ah, besoin d'argent. D'accord. Petite coupure ou grosse coupure, allez-y. Non. Enfin, ce que je veux dire, en fait, c'est que je travaille au service juridique de Ben & Nuts. Cacahuètes. Vous pouvez pas imaginer le nombre de bouffons qui veulent nous attaquer parce qu'ils s'étouffent avec des cacahuètes. C'est con. Enfin, en gros, voilà, quoi. Je reste bloquée à mon téléphone toute la journée. Attends, je peux pas vraiment faire autre chose, donc... Bref. Et vous faites quoi? Disons que moi, j'ai plusieurs casquettes. Tout dépend de la situation. Médiateur, profiler, expert en stratégie et accessoirement... Tireur d'élite. Tireur d'élite? Sérieusement, vous faites quoi? Enfin, je veux dire, concrètement, en ce moment, quoi? En ce moment, la vérité, je suis sur un gros dossier. Une bombe. Ok. Puisque je vous dis que c'est une impasse, bordel! Mais à l'entrée du conduit, il a pris à gauche ou à droite? Mais à droite, là! Vous m'avez dit à droite! Ah non, mais... C'était l'autre droite, Robert. De ce côté, c'est pas l'aération. Raven, le démineur est en route. Surtout que la femelle ne bouge pas. Dites-lui! Mais je sais pas, moi... Qu'est-ce qu'elles aiment entendre, les femmes? Bon, dites-moi sinon, parlez-moi un peu de vous. J'imagine que vous aimez voyager, hein? Non? D'habitude, ça marche. Il suffit de leur parler d'elles, de ce qu'elles aiment. Vous êtes sportive, ça se voit, c'est évident. Non, vous savez quoi? Vous êtes très belle, Sophie. Voilà. Vraiment, nous le pensons. Oh, carrément, quoi. Alors, vous voyez les minutes défiler d'un coup, mais vous rentrez cash en mode séduction. Oh, putain, le mec! Dites-lui que ses yeux sont comme... des émeraudes. Oh, non. Un océan dans lequel on aimerait se noyer. Oh non, mais s'il vous plaît, arrêtez, c'est encore pire, là. Non, mais vous pouvez pas faire mieux que ça. Allez, soyez inventifs, soyez créatifs, je sais pas, moi. Bah tiens, faites comme Sylvain Mirouf, là. Oh, Sylvain! Raven, reprenez le dessus. Le démineur est en place sous la bombe. Sophie. T'es avec moi ou non? Dis-moi, je suis la portée, d'accord? Soyons brefs et efficaces. Quelles sont tes exigences? Mes exigences? Oui. Je sais pas, moi je veux... C'est quoi, moi j'aimerais juste quand même comme je suis, tu vois? Mais moi je suis prêt, je n'ai pas peur. Livre-toi. Je suis là pour satisfaire toutes tes revendications. Arrête, je sais même pas ce que je veux. Moi je veux juste, tu vois, partir avec quelqu'un de gentil et d'attentionné. Ça te paraît bête, mais pour une fois dans ma vie, j'aimerais avoir la sensation de m'envoler un petit peu. Je peux t'avoir une voiture avec le plein d'essence, mais pour l'hélicoptère, ce sera plus dur. Raven, t'es pas une kamikaze, elle est pas là pour se faire sauter. Oh bah quand même, hein, la meuf qui fait du speed dating, elle est pas là pour enfiler des perles, hein. Capitaine, il y a une table au fond qui veut savoir si la cuisine sert encore. Sur le bouton rouge. Non, en fait, tu sais quoi, ça mène à rien. Hein. Je vais y aller, Raven, en fait. Raven, si cette fille se lève, on va tous y rester. Faites votre métier, bordel. Raven. Sophie, écoute-moi, je suis comme toi, voilà. Je sais ce que tu ressens. Non, mais c'est vrai, tu passes ta vie à écouter les autres, à essayer de les aider. Mais au fond, toi, qui t'écoute, hein? Et puis un soir, tu rencontres une personne que t'avais pas prévue. Qui t'impressionne, qui t'intimide même un peu, ouais. C'est bon, les gars, il a la situation en main. Robert, il vous reste une minute pour la bombe. Lieutenant, pour la 12, chaud devant. Chef, oui, chef. Et là, tu te rends compte que t'es au bord de l'explosion et que finalement, t'es incapable de te livrer à cet inconnu. Alors, je te dis que ce soir, il faut dépasser nos peurs. D'accord, moi, je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'écouter, pour te sauver, pour nous sauver. On est ensemble dans cette galère. Mais on va sortir d'ici, plus vivant que jamais. Fier, droit, debout, hein? Sur nos deux jambes. C'est hallucinant.
que c'est ça? Ah non, mais c'est vraiment hallucinant. Les mecs, j'ai remarqué un truc là. Oh, j'en reviens pas, des conneries que peuvent te sortir les mecs. Putain, mais sur nos deux jambes, sérieusement, non mais je rêve là. Alors là, moi je dis bravo, bravo, on l'applaudit. Ah non, mais mec, là tu m'as fait un numéro incroyable, hein. Tu sais quoi, j'ai limite failli marcher, hein. Non, Ah, on va la choisir, la fille bien désespérée, la fille à problème. Ah, comme ça on va pouvoir se la taper facilement. Calme-toi. Non, mais sais quoi, allez, hein. Salut. Putain, mais quelle idée à la con, quoi. Merci, maman. Gna gna, sors un petit peu, ma chérie. Quoi? D'où tu me regardes, toi? Hein? Putain, mais pousse ta chaise, oui. Eh, sors un peu, ma chérie. Les sites de rencontre, ils font des soirées. C'est super génial. Je te jure, hein, t'as bien fait de pas venir. Oh, puis l'autre abruti, là, Guyenne, Finlandais, mon cul, c'est Guignol qu'on aurait dû l'appeler, ouais. Ouais, de toute façon, je t'appelle quand j'arrive à la maison. Allez, bisous. Allez, hop! Après cette histoire, j'ai tout arrêté. Les bombes, les terroristes, les prises d'otages, tout ça, c'était plus possible. Mais cela m'a appris une chose, c'est que nous, les flics, on a de sérieux problèmes pour séduire. C'est pour ça que moi, Jacques Travaine, j'ai créé le GIGM, premier site de rencontre pour forces de l'ordre. Le premier site de rencontre approuvé par le ministère de l'Intérieur. On vous attend, les filles.